Bonjour, je m'appelle Marilyn Gendron, j'ai 22 ans et je viens de Terrebonne. Banquier, je pense que notre famille, c'est ce que vous avez toujours voulu avoir. Marilyn s'implique comme ça, ça nous touche toutes beaucoup. Puis c'était en fait la meilleure personne et la plus belle personne pour faire ça. Marie, pour moi, c'est une personne qui est super dévouée. Dévouée avec sa famille, dévouée avec ses amis. Une fille super fidèle, fidèle à elle-même, fidèle envers ses valeurs qui pour elle est très important. Ok, je pense que vous devriez vraiment la prendre parce qu'elle mérite d'avoir tout ce qu'elle donne aux gens. Donc, elle mérite d'être au banquier, de passer. Je le sais que si Marilyn pouvait participer au banquier, ça permettrait, oui, de faire un voyage, mais aussi d'aider Maxime pour la petite Naomi qui a besoin de beaucoup de soins. Alors, votez pour Marilyn. Elle le mérite. Bonne chance! Bonjour, c'est moi Marilyn. Dans le fond, moi, j'ai décidé de m'inscrire au banquier pour deux raisons. La première, c'est parce que j'ai un voyage. J'étudie en éducation spécialisée. Je pars au Pérou. Dans le fond, pour la fin de ma technique, on fait de la coopération internationale. On va aller dans un bidonville au Pérou, puis on va instaurer notre projet clinique en éducation spécialisée. C'est bâti sur un an. C'est vraiment beaucoup de travail, puis il faut collecter de l'argent pour ça. Ça prend beaucoup de financement, puis c'est sûr que quand tu es en éducation spécialisée, que tu es en technique, oui, je travaille, mais je ne peux pas vraiment beaucoup travailler, fait que c'est difficile pour moi de ramasser des sous. Fait que c'est sûr qu'au banquier, j'aimerais ça aller chercher un peu de sous pour ça. La deuxième raison pour laquelle je m'inscris, c'est un peu plus personnel, c'est pour mon frère. Il n'est pas au courant. Dans le fond, moi, mon frère, il a eu une grosse année. Il y a un enfant qui a été diagnostiqué il y a 2 mois pour le syndrome de Gilles de la Tourette. Il y a sa petite fille qui a une trisomie 14 partielle qui demande beaucoup de soins. Puis, depuis 1 mois et demi, il est en divorce. Fait qu'il doit repartir sa vie à zéro. C'est sûr que moi, mon rêve, c'est de voyager. C'est vraiment d'aller donner aux autres le plus possible, d'aller voir le monde. Je crois qu'avec tout ce que mon frère vit ces temps-ci, puis depuis plusieurs années même, je pense que son rêve à lui, c'est juste d'avoir un peu de répit dans sa vie. Peut-être une petite pause. C'est sûr que l'argent, c'est un sujet qui revient beaucoup. Les deux enfants, ça requiert des soins, ça requiert des sous, le divorce, tout ça. Moi, mon frère, on est très, très, très proches. C'est difficile de voir que moi, je suis si proche d'accomplir mon rêve, puis de voir mon frère vivre des moments un peu plus difficiles. Puis j'aimerais ça que les deux ensemble, on arrive à réaliser notre rêve. C'est pour ça que j'ai décidé de l'inscrire au banquier. J'aimerais ça qu'avec une partie des sous que je gagnerais, lui donner une petite chance de avoir une petite pause dans sa vie le temps que les choses se placent. Les sous, ça l'aiderait. Puis, je pense que de savoir que mon frère, ça, c'est ce qui le rendrait heureux, c'est ce qui me rendrait heureux aussi. Puis, que les deux ensemble, on puisse vivre des choses qui nous rapportent vraiment gros. Et pour moi, c'est ce qui compte le plus. Je pense que c'est pour ça que je décide de nous inscrire au banquier. Puis, c'est de tout cœur avec moi. Puis, je crois qu'il mérite autant de bonheur que n'importe qui d'autre.
Puis moi, d'aller au Pérou, ben, je crois que ça l'aiderait plein d'autres personnes. Fait que ça serait comme un gros package deal de personnes contentes. Merci.